Conformez-vous aux instructions lors des vérifications du point de contrôle. Les personnes soupçonnées d'appartenir à DedSec seront marquées en rouge. Présence potentielle d'individus suspects près de votre position. Reçu. On part intercepter. Ça va taper! Centrale, on colle toujours à la cible. À vous. Lancez un avis de recherche. La cible a disparu. Pilotage automatique activé.
Pilotage automatique désactivé. Un seul mouvement de travers. Hé, hey, j'aurais besoin de ton aide. C'est quoi le problème ici? Des amis à moi ont été embarqués par Albion. C'est des graffeurs. Alors ils se font tout le temps arrêter à cause de leurs dessins et tout ça. Il faut que je les fasse sortir. Le vandalisme, ça va pas chercher bien loin. Tu me demanderais pas mon aide s'il fallait juste aller les chercher à la sortie de la prison. T'as raison. Tu sais, c'est pas de gaieté de cœur que je fais appel à toi. Mais je le sens pas du tout. D'après les infos de mes contacts, c'est le capitaine Dansk, l'officier, qui les a arrêtés. Alors c'est quoi le problème? La plupart des flics que je connais, si tu veux, tu peux les acheter pour ce genre de petits délits. Mais apparemment, Dansk est ultra zélé. Les avertissements, la clémence, l'échelle des crimes... Tout ça, il connaît pas. Mes amis risquent de prendre de la prison ferme, ou même de se faire expulser pour cette connerie. Encore un trou du cul grisé par le pouvoir. Je m'en occupe. Je compte sur toi, vieux. C'est des personnes bien, ils méritent pas ça. Le capitaine Dansk doit être rattaché à une base d'Albion. Ouais. Il y a une grosse base d'Albion dans le quartier dont il a la charge. Je t'envoie les coordonnées. Thank you.
parie que s'ils ont coffré tes potes, c'est là-bas qu'ils sont détenus. J'y suis. Tu parles d'un centre de détention. On dirait plutôt une prison de haute sécurité. Trouve un moyen de rentrer discrètement. Je veux pas qu'ils se doutent de quoi que ce soit avant que mes amis soient libres. T'inquiète pas. Je vais veiller sur eux. Allez, on y va. Je suis à l'intérieur. Tu me suggères de commencer par où ? Ils sont probablement dans une des cellules de détention. Si tu trouves quelqu'un correspondant au profil d'un de mes amis, fais-moi signe pour que je l'identifie. N'attendez pas à ce que les cellules soient aussi remplies. Ils sont là pourquoi tous ces gens ? Pour les bébés, rassemblement illégal, obstruction à la justice, entrave à un officier dans l'exécution de ses fonctions. Je continue ? Ils sont tous signés du capitaine Dansk.
J'ordonne l'exécution sommaire de 3 individus en détention ci-après. Vous mettrez leur nom dans le rapport plus tard. Autorisation par l'officier commandant Dansk. Motif retenu ? Dégradation de biens privés et incitation à la haine contre le groupe Albion. Quoi qu'il arrive, personne ne devrait tenir des propos aussi dégradants. Les mots ont des conséquences. Faites feu dès que possible et laissez les corps jusqu'à ce qu'on puisse les incinérer. J'ai déverrouillé les portes des cellules. J'espère qu'ils n'auront pas trop peur pour en profiter et qu'ils échapperont tous à la justice d'Albion. Ouais, c'est un bon début. Je crois que c'est eux. Alors, c'est pas beau à voir, mais il faut que j'envoie quelques photos à Angel pour qu'il les identifie. Angel, je t'envoie quelques photos. Tu les reconnais ? Non, non ! C'est pas possible ! Ils sont tous morts ! Et tout ça pourquoi ? D'après l'ordre d'exécution, dégradation de biens privés et incitation à la haine contre Albion. Ils sont morts parce qu'ils avaient tagué fuck Albion sur un mur. Incitation à la haine ! J'appelle ça la liberté d'expression. Ils leur ont collé une balle et ils sont laissés comme ça. Le capitaine Dansk a endossé les rôles de juge, juré et bourreau. Je peux pas le croire. J'ai assez traîné ici, je file.
Il reste encore un truc à faire. Neutraliser le capitaine Dansk. Tu proposes quoi? C'est simple. Dansk ne s'arrêtera pas, sauf si je l'arrête, de manière permanente. Je reviens pas de te dire ça, mais... T'es sûr que c'est une bonne idée? Et si ça faisait qu'énerver encore plus Albion? On peut pas risquer qu'il fasse d'autres victimes pour venger mes amis. Tu suggères quoi, alors? Il faut que les gens sachent ce que Dansk fait ici. Les photos que t'as prises à l'intérieur. J'ai un contact. Claire Waters, une journaliste indépendante. Si tu lui donnes, elle les diffusera. On peut mettre fin à ces horreurs. Un fou qui se prend pour Dieu. Ça ne connaît ni la honte, ni les remords. On peut décider d'éclairer les ténèbres d'une lueur d'espoir ou rester dans l'obscurité. À toi de voir, vieux renard. Bonne chasse. C'est Dansk. La patrouille est terminée. Voilà, Dansk a été neutralisé. Le règne de la terreur est terminé. J'adorerais croire que Dansk n'était qu'un cas isolé, mais... Ils sont partout chez Albion, pas vrai? Tout n'est pas fini. Je suis désolé pour tes amis, Angel. Ils méritaient pas ça. Je t'ai jamais remercié pour les avoir retrouvés. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas trop. Il faut que je prévienne leur famille. Après, je vais me noyer dans l'alcool. Et je laisserai pas Albion s'en sortir comme ça. Appelle-moi quand tu passes à l'action. Aiden, merci.
urgent. Présence potentielle d'un individu suspect à votre position. Bien reçu. On s'en occupe. Terminé. Centrale, j'ai perdu la cible. Centrale, lancez un avis de recherche. Ça sert à rien ici. J'aime pas ça du tout. Ça me gave de voir tous ces gros bras du clan Kelly se pavaner comme si la ville leur appartenait. Ils sont partout. Ces salauds kidnappent les gens en pleine rue. Ils nous harcèlent. Ils nous volent. Ils vendent de la drogue à nos gamins. Qui est là pour nous protéger? La police me... Bagley, appelle Angel. Je m'en occupe. Bande de fachos, arrêtez! J'ai des droits et je vais... Merde. Angel, si tu m'entends, décris-moi ce que tu vois. Kennington! Bagley, localise les agents d'Albion à proximité immédiate de Kennington et de Lambeth. Et appelle Connie, tout de suite. Je vous mets en connexion avec Connie Robinson. Aiden? Ça doit être grave pour que tu m'appelles. Qui est mort? Personne pour l'instant, mais Angel vient de se faire embarquer par Albion. Je crois qu'il l'emmène au dépôt près de Kennington. Angel? Bon sang. Ok, donne-moi 5 minutes. J'ai quelques coups de fil à passer. Les fichiers d'arrestation doivent être stockés sur ce serveur. Ça devrait me permettre de découvrir où ils ont emmené Angel. C'est l'heure de se déconnecter.
Connie. On dirait qu'ils ont emmené Angel dans un endroit appelé le CAE. Tu connais ? Ouais, et c'est pas bon. Ils ont transformé l'ancien terrain de cricket en centre d'accueil. C'est là qu'ils envoient tous les illégaux. C'est un camp de concentration, quoi. Ouais. Mais tout le monde n'oserait pas le dire aussi clairement. S'il est vraiment là-bas... Je vais le sortir de là. Merci, Aiden. Je t'envoie les coordonnées. C'est le CAE. Mais c'est gigantesque. Quand t'as des gros problèmes, il faut un grand tapis pour les cacher dessous. Au boulot. Bien sûr. Ouais. J'ai compris. Évidemment, je comprends. Je comprends. Ok, je suis à l'intérieur. Je vais essayer de me renseigner. Vas-y, tu peux essayer. Mais je suis pas sûr que ces gens soient très enclins à dire ce qu'ils savent à un Amerloc à l'air louche. Qui c'est qui a l'air louche ? Tu sais quoi, j'ai pas envie de discuter avec toi. T'as une autre idée ? Il sait que t'es à sa recherche, pas vrai ? Donc il a dû laisser des traces derrière lui pour t'aider à le retrouver.
Ça fait plaisir. Ah bah là, c'est la fin. Non, non, non. Oh, ne parle pas, on pourrait nous voir là. Impossible de nier. Bon, ça va. Moins fort, bordel! Ils vont t'entendre et tu vas nous attirer des ennuis à tous. Tu sais quelque chose. Ouais. Et si je te le dis, tu dois me jurer de partir et de nous laisser tranquilles, d'accord? T'as ma parole. Ok. Ils ont attrapé des gens pour les emmener dans leur horrible clinique. Ton ami ou je sais pas trop qui les a vus embarquer ces pauvres gens et il a voulu s'interposer. C'était pas très malin. Intéressant. Merci. Me remercie pas. Allez, va-t'en! Connie, est-ce qu'il y a un genre de centre médical ici? Ouais, et si ma mémoire est bonne, c'est Carcani qui gère. Il y a pas mal de rumeurs sinistres qui circulent à ce sujet. Mais bien sûr, rien dans les médias grand public, comme d'hab. Quelque chose me dit qu'Angel a décidé de changer ça. C'est le centre médical Carcani. Angel y est peut-être. Par ici. Viens avec moi, Angel. Tu vas te faire tuer si ça continue. Non, je ne peux pas. Écoute, j'ai agi dans le secret pour des raisons évidentes, mais je fais partie de DedSec. DedSec Caracas, plus précisément. DedSec. Et dire que je me faisais du souci. Ok, Mister DedSec. Annonce la couleur. Merci. Alors voilà. Albion s'est accoquiné avec ces enfoirés du clan Kelly. C'est eux qui gèrent ce centre, moyennant une partie des profits. Ça, c'est ce que je sais. Si t'arrives à trouver des infos compromettantes, on pourra les ralentir. Il y a un serveur dans les quartiers d'Albion qui doit contenir tout ce qu'il nous faut. Je m'en occupe, toi sors de là discrètement. Non, non, je reste. Il faut que je fasse toute la vérité sur cet endroit sordide. Je vois que je te ferai pas changer d'avis. Alors bonne chance. Même si j'espère que t'en auras pas besoin. Connie ? Ouais, j'ai tout entendu. C'est typique d'Angel. Il écoute son cœur, pas sa tête. Il a... parlé de DedSec. C'est de là que vous vous connaissez ? Sans commentaire. Aiden, on a comme un petit souci. C'est quoi le problème cette fois ? Je connais quelqu'un qui a bossé au CAE il y a longtemps. Elle m'a dit qu'il y a un système sur ses serveurs qui enregistre l'adresse MAC de tous les appareils CityOS qui se connectent à distance. Il va remonter jusqu'à moi. J'en ai bien peur. Je vais devoir me débrouiller tout seul. Et tous les connards de cette ville sauront exactement qui je suis. Ok, j'en ai vu d'autres. C'est parti. C'est inutile. Oh. Mon Dieu!
bel œil. Il est pas loin. Branleur ! Tu vas souffrir quand je vais te trouver. Il a pris la fuite. Tant pis, on remballe. Il faudrait qu'on se sépare. J'ai entendu quelque chose. Les fichiers sont en cours de téléchargement. Ils vont pas tarder à te tomber dessus. Fais attention à toi. Je devrais m'en sortir. Merde.
Lévi. J'y ai, c'est bon. Je file. Personne m'a suivi. Je devrais envoyer ces fichiers à Connie. D'accord, d'accord. Non. Pas loin. Je fais quoi ? Apporte les fichiers ici. Je les récupérerai directement sur ton optique. Les droits sont ouverts. Tu peux récupérer les données. Je les ai. Merci, Aiden. Il reste encore quelques vrais flics qui seront ravis d'avoir un motif pour fermer ce centre. Tant mieux. On n'aura pas fait tout ça pour rien. Est-ce que c'est une pointe de nostalgie que j'entends dans la voix du grand justicier ? Moi qui pensais que t'étais là juste pour le matos. Ben, maintenant que t'en parles... Ouais, j'ai une récompense pour toi. Et t'inquiète pas, Angel sait ce qu'il fait. Ouais, je sais. C'est encore moi. Angel, t'as trouvé un nouvel optique ? Ouais, c'est celui d'un trou du clan Kelly. Je
Je peux pas le garder longtemps, sinon ses potes vont s'en rendre compte, mais... Je voulais te remercier, pour ça et pour tout le reste. C'était pas totalement désintéressé, tu sais. Arrête. Rien ne t'obligeait à venir me chercher ici. Et t'avais pas non plus à voler ces fichiers à Albion. Tu l'as fait parce que tu savais que c'était ce qu'il fallait faire. Ouais, si tu le dis. T'es sûr que je peux pas te convaincre de rentrer chez toi ? Chez moi, c'est très loin d'ici. Et c'est la même chose pour toi. Tout ce qu'on peut faire, c'est être des bons invités. Nourrir le chat, débarrasser la table. Tu vois le genre ? Ouais, je vois à peu près. Prends soin de toi, Angel. T'es un mec bien. Toi aussi, Aiden.